Bonjour à tous, bonjour à tous. Cette série de vidéos que nous allons suivre, nous allons parler comment programmer avec Dart. Donc, comment débuter la programmation avec Dart. Dart, c'est un nouveau langage de programmation qui date depuis 2011 et qui a été créé par les grands Google. Voilà, moi, je ne peux pas beaucoup perdre de temps sur ça. Juste, je voudrais vous dire ce que nous allons faire dans cette partie. Nous allons débuter avec cette programmation. Nous allons vous montrer les bases de la programmation. Et avec ça, vous allez apprendre concrètement la programmation orientée objet, parce que Dart c'est un langage orienté objet. Et dans la suite, je vais vous montrer pourquoi. Mais je vous informe juste qu'avec Dart, vous pouvez faire des applications web, vous pouvez faire des applications mobiles et vous pouvez faire aussi des applications pour les bureaux. Ainsi, Dart est fait pour tourner sur Android, sur iOS et puis sur Linux. Voilà quelques présentations et bientôt je vous montre les prérequis. Voilà, comme prérequis, je vous recommande Visual Code parce que c'est lui que moi je vais utiliser pour apprendre Dart avec vous. Visual Code passe sur Linux, vous pouvez prendre le lien qui est là. Vous prendre le lien qui est là. Je vais essayer de résumer. Là, j'ai fait juste le test. Ok. Le lien qui est là. Et puis, vous allez télécharger la version de Windows de Visual Code. Ok. C'est ce que moi j'ai déjà sur mon ordinateur. Et puis, je vous conseille d'aller sur dart.dev pour aller télécharger les packages. C'est pas qu'il y a de là des Dart. Ok, vous allez le trouver là-bas et puis vous téléchargez ça, vous installez. C'est celui qui va vous permettre d'avoir la possibilité d'exécuter Dart sur Windows. Vous voyez, et pour les autres versions, il y a les codes online là, les lignes de code que vous pouvez taper. Ça, d'ailleurs, c'est pour Windows et tout ce qu'il y a comme détail se trouve à ce niveau-là. Ok, c'est ce que moi je vais essayer de faire directement à ce niveau, c'est créer un dossier, un nouveau dossier que j'appelle Dart. Ok, et dans ce dossier, le dossier je l'ouvre avec Visual Code. Voilà, c'est comme ça que je devais partir. Ok. Voilà, le dossier est vide, vous voyez notre dossier est vide. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, on va essayer de faire apparaître ce bouton-là, Run. Donc, on part au niveau du package. Voilà, code runner. Voilà, c'est ce package-là qu'il faut chercher, code runner. Quand vous exécutez, il va vous ajouter ce bouton-là à ce niveau-là. OK. Et ici, moi, directement, je vais créer un petit fichier que je vais appeler début. Dart, vous voyez, voilà, pour qu'ils prennent cette icône de Dart et comprendre la logique, il fallait aussi télécharger les packages Dart ici. Vous voyez, vous téléchargez package Dart, package synthèse Dart, tout ça à ce niveau avec Visual Code. Ou sinon, je vous montrerai aussi dans une autre vidéo comment vous pouvez utiliser Visual Code. Voilà, sans plus tarder, on va essayer notre tour. Toute première application qui va nous lancer dans ces petits projets de Dart. Ok, voilà, j'écris void main, puis j'ouvre, puis je mets par exemple print je suis Je suis 0 et puis le point virgule je le mets là. Voilà, je suis 0 et puis je pars là, je clique paf, l'exécution du code, ça s'affiche là. Voilà, je suis 0. Et si j'ai ajouté quelque chose et que j'exécute,
Ah, c'est pas encore actualisé. J'enregistre et j'exécute. Voilà. Ça y est là. Et merci de la suite. La deuxième vidéo. Dans cette vidéo, vous avez appris comment créer votre toute première application ou bien votre premier projet avec Dart.